D'abord, j'ai proposé ici à la conférence de Malte la création d'une task force qui regroupe un peu toutes les énergies, à la fois pour empêcher cette émigration, on peut l'empêcher à la base, et pour secourir les gens en mer. Là, il y a énormément de travail à faire parce que chaque naufrage est une catastrophe pour des êtres humains. Pour moi, il existe une urgence absolue. Une urgence absolue qui est l'urgence humanitaire. Je veux bien qu'on parle de démocratie, je veux bien qu'on parle de développement économique, je veux bien qu'on parle d'énergie solaire, mais pour moi, il y a un problème humanitaire. Il y a des enfants tunisiens, libyens, des gamins, parfois très jeunes, qui meurent dans des façons inacceptables. Nous avons à peu près 2000 réfugiés qui quittent nos côtes, ça c'est uniquement pour les Tunisiens, renforcés par des Libyens, renforcés par des subsahariens. Ces drames humains ne peuvent pas être acceptés. Il y a certainement des dissensions entre nous, des différences de taille, dans la culture, dans l'histoire, dans la religion, dans les réalités. Mais nous ne sommes pas focalisés sur ce qui nous différencie, mais sur ce qui nous rassemble. Nous sommes unanimes tous du fait que la rencontre a été une rencontre sincère, durant laquelle on a discuté de tout, et de manière sincère, de manière directe, sans nous entourer parfois même de diplomatie, parce qu'il fallait vraiment dépasser un peu le passé et regarder vers un avenir prometteur.